Salut, aujourd'hui j'ai décidé de parler d'une série de jeux vidéo dont la plupart des gens ont sûrement oublié. Je veux parler de One Piece Illimited Cruise 1 et 2, qui sont pour moi dans les meilleurs jeux One Piece qui sont sortis ces dernières années. Parce qu'on va pas se mentir, entre les One Piece Pirate Warrior, où on court et on tape, les autres jeux One Piece très peu ouf, voire mauvais et même nul à chier, on n'a pas beaucoup de bons jeux One Piece qui sont sortis pour la licence. Mais ces jeux-là sont des très bons jeux, selon moi, de la licence One Piece. Et si vous voulez savoir combien de jeux de la licence One Piece sont sortis exactement depuis le début, je vous envoie vers la vidéo de Aniki où il fait le listing de tous les jeux One Piece sortis depuis le début, des mauvais comme des très bons. Commençons avec les bases. One Piece Illimited Cruise 1 et 2 sont des jeux vidéo qui sont sortis en 2009 en France. Développés par le studio Cabrion, qui ont littéralement presque fait tous les jeux One Piece qui sont sortis, à part un autre truc qui s'appelle Pandora Tower, et ces jeux sont seulement disponibles sur la Wii. Donc c'est quoi le scénario du jeu? Enfin, s'il y en a un. Oui, il y a un petit scénario, mais je vais vous le dire à ma sauce. L'équipage au chapeau de paille sont pris dans une violente tempête. Luffy, gros con, voit un truc qui brille dans la tempête. Ni une ni deux, il fonce dans la tempête. Il y a une voix mystérieuse qui lui dit « Est-ce que vous voulez un don ?» Lui, il fait « Ben ouais ». Et donc, ils sont propulsés vers une île où ils doivent remplir des épreuves qui consistent à juste abattre des anciens boss qu'ils ont rencontrés durant leurs aventures, accompagnés d'une créature immonde qui devient encore plus immonde dans le 2. Tout ça pour avoir une récompense, mais malheureusement, tout va pas se passer comme prévu parce que finalement la récompense ça va être on va tous vous buter et il y aura jamais de récompense à la fin. Voilà, c'est juste dire la récompense c'est le voyage que tu as fait avec tes amis. Voilà, c'était le scénario à peu près des deux jeux. Ah oui, ce qui change entre 1 et 2 c'est que dans le 1 la truc immonde limite il crève presque et puis ils repartent pour faire des épreuves mais bien sûr en plus difficile sinon c'est pas marrant. Alors oui, le scénario du jeu est pouf. Et le jeu va être répétitif de ouf, parce que le schéma de jeu va se résumer à arriver sur l'île, exploration, combat contre le premier boss, exploration, combat contre le deuxième boss, et tu vas faire ça sur 8 îles au total, sachant que pour finir un jeu, il faut minimum 20 heures, donc tu as 40 heures pour terminer les deux jeux. Ah, ce qui change entre 1 et 2, c'est que le 2 ajoute plus de features que le 1, mais pas grand chose quoi. En termes de gameplay, d'exploration de l'île, c'est pas ouf. Mais en plus, ce que je trouve complètement con avec ce jeu, c'est que pour accéder au mode difficile du jeu, il faut avoir terminé le mode normal. Bon après, le jeu il date de 2008-2009, donc c'est un peu normal. Mais quand même, je trouve ça complètement con. Ce que je viens d'évoquer sont les défauts du jeu, mais il y a aussi des qualités à ces jeux. Tout d'abord, on peut explorer le Sunny, ce que je me rappelle pas qui est dans les jeux récents. Le Sunny se sert comme une base dans ce jeu, tu peux l'explorer de fond en comble, moi je trouve que c'est une très bonne qualité. Ensuite, on a les différentes îles du jeu, qui te poussent à l'exploration pour découvrir tous leurs secrets. Je trouve que ça, c'est une très bonne idée. Les OST qui sont géniales, te mettent bien dans l'ambiance du jeu, et puis aussi le fait que ces jeux sont un mélange de RPG, Arena Fighter, de Beat'em Up, tout ça dans un monde semi-ouvert qui te pousse à l'exploration. Ça, je trouve que c'est l'ADN du jeu, mais je trouve ça tellement bien et moi je suis rentré à fond dedans dans ce délire. Et en plus, dans ce jeu, il y a deux autres jeux. Nous avons déjà un jeu de combat où quand tu bats tous les boss du jeu, tu les débloques dans le jeu de combat, tu peux même les jouer avec leurs movesets et tout. Et à la fin du jeu, tu peux faire un boss rush, c'est-à-dire tu peux aller battre tous les boss du jeu en une seule partie. Voilà, tout simplement. Ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que vu que c'est deux jeux séparés, donc tu peux prendre ta partie du 1 que tu as fait à 100%, que tu as poncé, tu peux aller directement la mettre dans le 2. Bon, tu perdras quelques trucs parce que c'est évident qu'il faut qu'il rétrograde, sinon c'était trop overcheaté, mais déjà ça, je trouve que c'est quand même un bon truc. Ensuite, bon, dommage que le truc immonde du 1 devient encore plus dégueulasse dans le 2, mais ça, on s'en fout. Ce que tu peux faire aussi dans ce jeu, c'est avoir plein d'arbres de compétences dans la cuisine, dans la chimie, dans les inventions de Usopp, tout ça, c'est l'aspect RPG. Et aussi, dans ce jeu, c'est que tu peux aller chasser des insectes en or et que tu peux aller pêcher des rois des mers. Et ça, je trouve ça génialissime. Et puis, ils utilisent plein, et tu vas voir, les objets correspondent à certains éléments qui font partie du manga original. Donc déjà, le jeu respecte le manga original, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Et ça, franchement, rien que ça, je trouve que c'est une très très bonne qualité. Et puis merde, quand tu parles avec les personnages sur le Sunny, leur personnalité, tout ressort comme dans le manga original. Et ça... Mais ça, c'est trop bien, putain. Et il y a trop de choses qui sont trop bien dans ce jeu. J'ai dit tout ça pour dire qu'au final, je trouve ces jeux One Piece tellement sous-cotés, de ouf. Et je trouve que tout fan de One Piece devrait au moins avoir joué une fois à un de ces jeux, parce que tellement ils sont bien. Franchement, c'est dommage. Et puis, ils sont pas très rares, donc tu peux trouver facilement un occasion, ou sur Amazon, ou comme tu veux. Mais juste, si tu peux, procure-toi ce jeu, et tu vas prendre une claque. Même si graphiquement c'est dégueulasse parce que ça c'est de la Wii et ça date de 2009, mais si tu passes
pas ça, tu vas trouver un excellent jeu. Bon, le seul problème de ce jeu, c'est que il s'arrête au niveau de l'arc de Sabaody. Donc on n'aura pas de boss comme Boa Hancock ou Akainu. Là, on n'en les aura pas. Dommage. Mais à part ça, ce jeu, pour moi, il est excellent.